Bon les potes, à ce qu'il paraît, il y a un youtubeur qui s'appelle Artichaut, enfin ils sont deux dans le groupe, qui ont fait une vidéo critique sur moi. Alors on va aller voir ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont pas trop critiquer, j'espère qu'ils vont pas trop lyncher, j'espère qu'ils vont pas trop démonter la chatte. C'est parti, Artichaut, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ils font du bon taf, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc voilà, c'est parti. Bouge, bah fais-le vite, je mange un peu mon mec. Que quand en tout cas, les gars, il me suit sur Twitter, je suis sur Twitter, il est super sympa. On est dans le même DEL, en tout cas, on a l'air d'être dans le même DEL, donc c'est cool. On va voir. Putain, les gars, j'ai l'impression parce que j'ai jamais vu de vidéo critique sur moi vraiment. Allez, les gars. Tu te rappelles de la pub Bon Duel là? Où le maïs il restait tout seul au fond de la boîte et il faisait. Le son, ça va, les gars? Depuis ça, mec, je laisse jamais un grain de maïs au fond de la boîte. Elle m'a traumatisé cette pub, gros. T'es trop bon, mec, le maïs. Non, et même ça me fait de la peine pour eux et tout. Gros, fais l'intro pour une fois, genre dynamique et tout. Fais comme un youtubeur, un vrai de vrai. Hey, salut les potes, c'est David là. Fais comme un vrai youtubeur qui ouvre pas des cartes Pokémon. Bon, les potes, vous l'aurez compris avec le titre. Aujourd'hui, on s'attaque au Bouzeux Gaming. En titre, je vais mettre un. Déjà, comment il a dit au Bouzeux Gaming. Au Bouzeux Gaming. Moi, c'est le Bouzeux Gaming, pas Bouzeux Gaming. De jeune, je vais mettre quelque chose d'autre juste pour que tu aies l'air con. Non. Mec, d'ailleurs, le Bouzeux, gros. Genre, je crois qu'il a commencé à percer, tu sais, avec les vidéos avec TK. Mais genre, je sais pas du tout ce qu'il faisait avant, mec. C'est là, mec, on voit. Il ouvre des cartes Pokémon, mec. Non. Non, attends, mec, explique aux gens qui c'est le Bouzeux pendant que je mange mon mec. Le Bouzeux, c'est un personnage, une icône, qui fait des vidéos sur Fortnite et qui troll beaucoup. Mais attends, est-ce qu'il fait que du Fortnite en vrai? Non. Il fait les jeux tendance, ouais, en ce moment, là, bah, il a raison. Et en ce moment, il fait que ça. Mais avant, il faisait quoi? Vas-y, les plus anciennes, mec. Depuis quand elle existe sa chaîne déjà au Bouzeux? 2 ans. Oh, putain, mec, il a 1 million d'abonnés, nous, en 2 ans, gros, on a 100 000. Alors, attends, fais voir, remets sa toute première vidéo, c'est quoi? Call of Duty, Black Ops 3. Bon, le Bouzeux, je sais que tu as regardé la vidéo vu que qu'on suit sur Twitter et tout. T'es prêt à être bien mal à l'aise ou pas? Là, allez, c'est parti, c'est ton moment, gros. Yo, tout le monde, c'est le Bouzeux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Black Ops 3, ce sera une fin de movie avec un petit peu de fate quand même. Bonne vidéo, on se retrouve juste après, les amis. Merci, les mecs. Non, mais sur des vidéos comme ça. De youtubeurs, tu sais, de best-of quand on était plus jeune, genre. Eh mec, mais c'est bon, basse, voilà, tu passes la vidéo, on s'en bat les couilles d'un frag movie comme ça, mais non, les gars, non, non. C'est des best-of Call of, on l'entend même pas parler, gros. Mais sur la deuxième vidéo, oh, ça va être magnifique. Ça. Hey, hop, tout le monde, c'est les beaux enfants. Ah, je peux pas regarder ça, je peux pas. Moi, déjà, les gars, j'ai une manie, je ne peux pas être avec des gens qui regardent mes vidéos. Tu regardes mes vidéos, tu te mets tout seul, tu te mets avec ta famille, avec ton père, avec ton frère, mais tu te mets sans moi. Moi, quand je suis avec toi, tu regardes pas mes vidéos, tu parles, tu fais ce que tu veux, mais tu regardes pas mes vidéos, parce que sinon je suis malaisé et je suis gêné. Et là, bah du coup, là pendant 10 minutes, je vais être malaisé, putain. Donne-nous la vidéo, une petite vidéo. Ça fait trop bien, mec, ces mousses acoustiques multicolores. Ouais, c'est cool. J'ai retrouvé dans mon petit dossier noir, voilà, ça c'est le dossier où dedans il y a toute ma vie, toute ma scolarité. Mais mec, ça peut pas être ses premières vidéos, en vrai de vrai. Il est super à l'aise, gros. Ouais. Comment on peut le retrouver, mec? Le Bouzeux, elle est où ta chaîne principale? La première chaîne, tu nous caches quelque chose. Bon bah les gars, vous connaissez l'histoire, vous, la plupart, eux ils connaissent pas parce qu'ils m'ont découvert avec Fortnite, mais en gros, bah les gars, j'avais des vidéos Clash Royale, j'avais plus de 1000, non, peut-être pas 1000, non, j'avais 600 vidéos Clash Royale et que j'ai dû supprimer, du coup, par rapport à, j'en avais parlé, hein, une vidéo, donc voilà, donc là, ils sont peut-être pas au courant, enfin, ils sont sans doute pas au courant, donc voilà, j'avais des vidéos Clash Royale que j'ai dû supprimer et je les avais percées à la base, enfin, percées, j'avais commencé à prendre des abonnés, à faire des vues sur des vidéos Clash Royale, de base, voilà. Jouer un extrait, les gars, de ma première vidéo. Gros malaise. Mais bon, au moins vous allez voir la différence pour comprendre à quel point il est à l'aise. Genre, c'est pas normal. On dit quoi? On explique le but du jeu? Ouais. Donc en gros, c'est un jeu de foot, en gros, avec des voitures. Ça vous plaît, on pourra peut-être faire un autre épisode, peut-être pas sur d'autres photos, mais sur mes bulletins, sur des trucs comme ça, voilà. Ah, mais là, ça faisait déjà un an que j'avais des mousses acoustiques. C'est pas ma première vidéo. Je peux pas avoir déjà des mousses acoustiques, un micro rod avec une perche et tout, et commencer. Ça, genre, ça, je l'ai acheté au fur et à mesure du temps. Même si là, je trouve que j'étais pas méga à l'aise. Ah. Oh ouais. Je jouais mon van. Ouais, ce que je voulais quand même. Ensuite, celle-ci, donc là, je sais pas, je regardais mes pieds ou mon sexe, je sais pas. 13 ans, j'avais une tête de bébé, on dirait. J'avais une vraie tête de bébé, c'est la carte que j'ai. En gros, ça te dit rien, elles ont tout trop, on est tout dans une mettre des doigts dedans. Enfin, de façon de parler, quoi. Oh la gueule, putain la honte. Comment voulez-vous que je serre des meufs avec cette tête de cul? Il a pas full poil sous les bras, attends. T'es pas... Seconde, oh la gueule. Ah, t'es le pire. Mais c'est pas, j'ai vu.
Voilà, désolé, mais bougie, quand mais je crois qu'il y avait une vidéo où on a vu. Jamais je me raserai les poils sous le bras parce que j'ai coupé une fois, mon gars, j'ai eu le malheur de couper une fois, mec, ça m'a gratté pendant 10 jours. Plus jamais je recoupe sous les bras. Pareil pour les couilles. Bon, là, je suis obligé parce que voilà, quand faut faire l'amour, c'est quand même plus agréable quand t'as des poils coupés. Mais en général, non, je préfère pas parce que ça me gratte pendant. C'est la mec. La marmotte. C'est encore pire, gros. Bon, allez, on est quitte. Bah, je sais pas si on va pas faire essayer de pas être mal à l'aise, mais pour finir, du coup. Oh putain, la honte. Allez, les gars, faut que je vous la montre. Ah. Oh putain. Oh. Ah. La réaction qu'ils ont eue. Oh, y'a leur tête. Oh, vous avez vu leur tête, c'est magique. Regarde, regarde, là. Là, regarde, là, ils ont pas encore vu. Et là. Oh. Oh, la gueule qu'ils ont fait. C'était tellement sincère. C'était... Regarde, là, regarde, ils sont en mode, oh, si on s'attend un truc de merde, vas-y, ça va pas nous faire rire. Et là. Oh. Ah. Ah, la gueule du bouseux, putain. Ah, regarde, lui, c'est le pire. Ils... Attends, attends, mec, on arrête la vidéo là, on arrête là, parce que là, je vais devoir l'insulter, ce gros pédé. On dirait, genre, Jim Carrey ou... 10 minutes, gros. Non. Ah oui, Jim Carrey aussi. Jim Carrey, il faisait ça, ou mais le mec dans Marie à tout prix qui se met du sperme dans les cheveux, ouais, tu vois. Voilà, genre, un truc comme ça. Mais tu crois que c'était une coiffure sérieuse? Non, il était... Mais je pense que oui, sinon il serait pas gêné comme ça, mec. Gros, là, en vrai, c'est pas possible de se coiffer comme ça. Non. Il devait prendre tous ses cheveux, mettre plein de gel et faire une torsade pour que ça tienne. Attends, en gros, il faisait des vidéos classiques, quoi, des vidéos des réactions à des petits trucs. Attends, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oh, ah, tu vois, c'est celle que je te disais. Je vous présente ma première moto. C'est un copain motard, mec. D'ailleurs, Bouzy, on va rouler quand tu veux, mec. Hein, on est motards tous les deux, nous aussi. Enfin, après, on a des motos un peu plus puissantes, on risque de pas te voir souvent, mais bon. Oh, le... On regarde, mec. Mais viens, on regarde celle que je te disais. Parce qu'en gros, ce qu'a fait, on en fait une synthèse, mais ce qu'a fait qu'il s'est fait connaître, c'est bah déjà qu'il bute Fortnite, il joue beaucoup, en vrai il joue pas mal d'ailleurs, ouais. Il joue même plutôt bien, bon je pense qu'on le démonte, mais voilà quoi, après ça c'est une affaire personnelle, mais c'est surtout les pranks avec deux Kairi, mec. Et alors, ouais, les gars, on va pas se mentir, quand tu vas sur les vues les plus populaires de ma chaîne, c'est pendant deux lignes, je crois que c'est que des pranks TK, donc on va pas se mentir que grâce à TK, j'ai pu gagner pas mal d'abonnés, ça c'est vrai. Et je m'en cache pas, hein. Merci TK, hein. Voilà, c'est... Voilà. J'en avais trouvé lire, une. J'assume totalement. Bon, j'ai vu le début, après j'ai arrêté de me spoil parce que c'était trop drôle, gros, j'en pouvais plus. Genre, regarde d'ailleurs comment ils auront fou TK, mec. Viens voir. Attends, oui. Attends, s'il te plaît, attends. Le bouge-toi, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Non, ne fais rien sans moi, s'il te plaît. C'est vraiment un enfant avec TK, c'est un truc de ouf. Ça, c'est une vidéo récente, ça. Ta grosse merde. Regarde-moi ce gros chien. Attends, hey, donne-moi les construits. Attends, non, elle est construite. Hey, je t'ai attendu. Y'a Théma. La 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 la. TK, je t'ai attendu. Hein. Hey, les gars, t'as pas le droit. Tiens, quand il va le rendre fou, mec. Ah, il sait faire des portes. Non, mais arrête. TK, viens là, donne-moi les construits. TK, on fait un enfant, on l'appellera nourriture. Non, je crois pas, non. Donne-moi les construits, TK. S'ils disent oui, donne-lui, je te les donne. Si... Non. Putain, mais tu vois, mais comment tu... TK. Voilà, j'ai coupé la main. Ah, mais arrête. Ah, mais tu m'aimes bien ou quoi, là? Ah, mais t'es vraiment casse-couille la tête de ma mère. Putain, mais bah, putain. Elle bouge la tête, ta mère, la grosse. Voilà. Ah, mais oh, mais t'es... Mais t'es quel... putain, c'est la dernière. Attendez, pourquoi je vais pêcher avec lui maintenant? Regardez. Putain, la tête de ma mère, on l'a comment. Eh, hey, mais toi, eh, hey, mon gars, tu serais mon enfant, je t'aurais violé, fils de pute. Ce qui a fait vraiment son succès, je pense, au bouseux, c'est pas qu'il joue bien ou quoi, c'est vraiment, je pense, qu'il fait toujours chier le monde, tu vois. Troll, il fait que troller et les gens kiffent. Attends, on refait le truc du cosplay ou pas? Ferme tes yeux, gros, je reviens en bouseux, mec. T'es prêt? Garde les yeux fermés. Quoi? Il a fait un cosplay? Il a fait un cosplay bouseux? Attendez, j'ai peur là, j'ai peur! Ouais, là, je m'attends au pire. Hein. Vas-y. Ta casquette, elle est à l'envers? À l'endroit. Attends. À 40 000 pouces bleus sur cette vidéo. À l'endroit, je crois. Je vais chez TK samedi. Attends, pour son live. Attentivement, ce ouais, que j'ai vu. C'est un peu approximatif en fait. Je m'attendais à réussir à faire genre une torsade. Mais j'ai pas réussi. Je vais faire le truc comme lui, mec. J'ai mis la perruque à l'envers et tout. Attends, on regarde son truc. Vas-y. On en regarde une ou deux et après on va... Ah, mec. Viens, après on va sur Fortnite et on va pranker des gens en... Comment ça s'appelle? En section. En section. Vas-y. On leur casse les couilles, genre on leur pourrit la vie, mec. Yo les amis, c'est l'Artibouz, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on troll des gens de notre équipe sur...
À aucun moment il sait ça. Putain, il m'a pas respecté. Il y a un cabus de ouf. Les gars, c'est l'Artibouze. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Fortnite comme d'habitude pour réaliser des pranks. Aujourd'hui, je vais aller en section avec mon Srap Titi qui va être là pour m'encourager et me donner des indications sur quoi faire. Et on va essayer de troller nos équipiers. Objectif 20. Combien on peut faire, Jésus? 20 000, mec, on l'a jamais eu. Objectif 20 000 pouces bleus sur cette vidéo. Et si on y arrive, les petits potes, à faire 20 000 pouces bleus sur cette vidéo, c'est énorme. Le prochain live 24 heures de Le Pouzeux, on vient. Il le sait pas. Chut. C'est ça qu'il avait fait, ouais. Ah oui. Vas-y, on est parti, gros. Mais bâtard. C'est sûr, du coup, comblé. Comblé, comblé, ouais. Et le but, c'est de pourrir la vie des gens. Et je vous vois me juger parce que j'ai acheté le dernier skin. Un pigeon. Mec, mets la voix. Est-ce que son vocal, oui. Mais le fait qu'il parle. Oh, ça serait trop bien, gros. On lui nique sa game, mec. C'est tellement compliqué à comprendre ce que tu dis avec ton micro. On nique Nalpom, mec. Nalpom, c'est un français. C'est le français. On lui pourrit la vie, c'est mec. C'est chaud à comprendre avec ton micro. Vas-y, je prends le plus de construits possible et après je lui pourris la game. Il va péter un câble, mec. Ça se fait pas, mais j'espère quand même qu'il va ranger un peu. Tiens, attends, je vais faire genre je lui donne la pote. Attends. Tiens, tiens, tiens. Reviens. Tire. Nal. Tiens, tiens. Mais lui, il y a un mur devant lui. Mais lui, il y a un mur devant lui. Nope. Ah mais attends, en plus je peux pas le bloquer par en dessous comme ça. Ça manque de fluidité l'artichaut là dans des mouvements là, dans des constructions là. Ah, il a vu la pote, je vais pouvoir le bloquer. Oh mais il casse les bonbons lui, putain. Vas-y, il me bloque, casse. C'est quoi qu'il a dit? C'était trop mignon en plus. Mec, je me sens un gros bâtard parce qu'il a l'air gentil et tout, t'sais. On est des grosses putes. Mec, désolé, j'espère que tu verras cette vidéo ou que tes copains vont me reconnaître et qu'ils t'enverront la vidéo, mec. Pour que tu comprennes qu'on n'est pas méchant dans le fond. Vite, vite. Attends, je prends la pomme. Ça commence à l'emmerder, mec. Le pauvre, ça me fait de la peine et tout, mec. Vraiment, je culpabilise, genre. Toi aussi? Ouais, on nique sa game et tout. Bon, en plus il rage même pas, mec, il crie pas, genre il est gentil, mec. Ah, il casse les bonbons. Moi, mec, tu me fais ça, je t'insulte de tous les noms, gros. C'est ouf, moi aussi. Lui là, oh non, ça me casse les bonbons et tout, le pauvre, c'est trop gentil, genre. Lui, je l'ai pas encore enfermé, lui. Ouais, voilà, t'as compris. Je sais pas ce qu'il fait à build comme ça. Ah. Artichaut. Mec, on a eu trop de chance de tomber sur des Français directs, hein, dont un qui a le vocal et tout, genre. Oh, oh mec. Modifie, 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 modifie. Mais non, il y a une porte là. Il a pas de shield, il a pas de shield. Le pont, je vais en faire pendant qu'il y a un fight, vous avez pas compris. Moi, je suis au pont. Ouais. Oh, un fort de poche, mec. Oh. Ça, ça doit être bien pour faire un peu chier, non? De ouf. Il nous enferme. La mauvaise influence de Le Bouzeux, ouais. Mec, ça me fait trop de la peine, vraiment, mec. Il est gentil, mec, vraiment, il est gentil. Trop gentil, genre. Les gars, dans les commentaires, je veux un maximum de soutien à Nalt Pomme, les gars. Vraiment, je pense qu'on a trouvé le mec le plus gentil de tout Fortnite, mec. J'attends de voir à la fin de game s'il va m'insulter ou pas. Moi, je pense pas, il a l'air vraiment gentil, mec. Vraiment gentil, ouais. En plus, Le Bouzeux, il s'arrête jamais, donc nous, faut pas qu'on s'arrête. C'est de sa faute. Mets-toi devant lui et danse. Il m'arrête quand même. Devant mon copain? Ouais. C'était lui, là? Non, Nalt Pomme. Il est où, Nalt Pomme? Ils sont top 13, là. Ils sont encore tous les 4. Mais mec, pourquoi ils sont aussi gentils? Les gars, je suis désolé. Mec, ça me fait de la peine et tout. Vraiment, genre, je me sens être une grosse pute. Ah, il se bat, il se bat. Oh, attends, on va les aider, mec. C'est quoi? On va se racheter. Je suis pas un bâtard à ce point-là. Je peux pas, mec. Ils sont où, les autres? Ils ont pas l'air très forts, par contre. Ils me suivent ou pas? Non. Ah si, y'en a un qui te suit. Ah, Nat Paul m'y suit. C'est Nalt. Mais vas-y. Oh, copain, mec, je le kiffe trop. C'est bon, j'arrête de l'embêter, mec. Mais c'est pas Bouzeux, mec. Ouais, mais... Gros, c'est un enculé. Bouzeux, il fait chier le monde jusqu'au bout. Non, mais c'est... en vrai, ça fait de la peine, mec. Je sais pas comment il fait, gros, vraiment. Mais il le fait qu'avec TK, hein. Il le fait pas avec les autres. On va essayer de carry, mec. Oui. Je le prends, on est Nat d'accord. Nat Pomme, faut que tu sauves Nat Pomme. Il est où, il est où, il est où? Je sais pas. Mets un fort de poche sur lui. Oh, mais non! J'ai l'impression qu'on a tué quelqu'un de ma famille. Il est où l'autre qui l'a tué, mec? Alors ça, je laisserai pas faire.
Il est pas bien lui. Ok. Yes. Il en est pas un KO hein. On va là, c'est des mecs ça. Wouah mec, en plus j'en peux pas. Les bonnes, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu. Bouzeux, on t'aime bien, tu le sais. Même si t'étais moi, je suis pas t'étais petit. On compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus les potes à cette vidéo. On vous fait plein de bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour la FAQ. Il est pas trop tard pour aller poser vos questions sur l'ancienne vidéo et sur le hashtag. Ok, bon bah, les potes, je vous mets sa chaîne Artichaut dans la description, n'hésitez pas à les checker. Et à vous abonner quoi, ça fait plaisir. Je vais mettre un petit commentaire, je vais dire... Putain mec. T'as géré. Fils de pute, voilà. Un petit commentaire sympa.